à toutes et à tous, de nouveau Dani avec vous, mais pas dans le cadre habituel de nos émissions. En effet, cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir trois membres de la chorale du jeudi, dont je suis membre, et c'est un honneur, on peut le dire. J'ai donc avec moi Thierry, qui est notre chef de chœur. Bonjour. Gaëlle, la présidente de l'association. Bonjour. Et Christophe, qui est, on va dire, notre grand organisateur. Bonjour à tous. Puisque je les reçois cet après-midi dans le cadre de la préparation d'un concert. En effet, la chorale du jeudi sera en concert le vendredi 24 novembre au théâtre de l'Hôtel de Ville. Et ça demande beaucoup de travail. Mais tout d'abord, nous allons présenter la chorale. Et pour ça, je vais demander à Gaëlle de s'y coller. Alors, la chorale a été créée apparemment en 1995 par Luis Garcia. Et à l'époque, ils étaient vraiment très peu de choristes, ils étaient une dizaine. Et puis, au fil des années, la chorale s'est agrandie. Et aujourd'hui, on est à peu près 80 choristes. Et le chef de chœur n'est plus le même, me semble. Alors là, au départ, c'était donc Luis Garcia. Ensuite, nous avons eu de 2005 à 2014 Éric Moffroy. Et pendant 2 ans, Éric Moffroy a partagé la direction avec Thierry Martin, qui est notre chef de chœur maintenant. Donc Thierry, tu es venu à la direction rapidement. Combien de temps as-tu été choriste avant ? Moi, je suis entré à la chorale en 2006. Et puis, donc, j'étais simple choriste. Je n'avais jamais chanté avant dans un groupe ni dans une chorale. Et puis, Eric a appris en 2012-2013 qu'il devrait quitter la région. Donc il a essayé de trouver quelqu'un pour prendre la succession, parce que c'était un groupe qui tournait bien, vraiment des choristes motivés. Et il s'est adressé à l'un d'entre nous et il est venu me voir en me disant: est-ce que ça t'intéresserait de reprendre la chorale? Donc ça me faisait un petit peu peur au début, parce que j'avais jamais dirigé un groupe comme ça. Et puis je ne suis même pas musicien. Et puis je me suis pris au jeu, et depuis 4 ans maintenant, je dirige ce chœur de 80 personnes avec beaucoup de plaisir. Mais pour revenir à la chorale en général, c'est un groupe relativement important en volume, Gaëlle. Oui, on est donc un petit peu plus de 80 choristes, hein, de 24 ans à 76 ans. Et cette chorale a une manière de fonctionner en particulier, il y a un état d'esprit. Alors nous, on essaye de maintenir un esprit de bienveillance et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de tension. On vient à la chorale pour se détendre et puis pour passer un bon moment, même si ce sont des moments de travail, parce que bien sûr, on travaille pour produire de bons spectacles, mais en fait, on essaye vraiment de maintenir ce climat d'amitié, voilà, de... C'est bien résumé, en effet, je me reconnais bien là-dedans. Et comment es-tu venue au chant choral, toi, Gaëlle ? Oh, alors moi, ça fait longtemps, presque 20 ans. J'ai commencé dans un atelier de chant SAM au Havre. Puis j'ai été dans une chorale gospel et chant du monde. Et puis cette chorale s'est arrêtée, donc pendant quelques années, j'ai pris des cours de chant. Et puis ça me manquait beaucoup, le chant choral. Donc j'ai cherché une chorale sur le Havre. Et par hasard, j'ai rencontré Éric Moffroy, qui m'a fait passer une audition et j'ai pu rentrer à la chorale du jeudi. C'est donc le hasard qui t'a amené vers la chorale du jeudi. Et toi, Christophe, qu'est-ce qui t'a amené au chant choral ? Plusieurs choses. D'abord, un ami qui m'en a parlé de cette chorale du jeudi. Et puis, j'adore les harmonisations. Moi, j'adore le mélange des voix. Donc même si j'aime bien chanter tout seul, je préfère nettement chanter en groupe, parce qu'il se passe quelque chose de magique. Ce mélange des voix donne une dimension autre que je ne retrouve pas ailleurs.
Et voilà, c'est tout mon plaisir de pouvoir les faire partager. Et je dois préciser qu'on n'a pas besoin d'être un excellent chanteur pour pouvoir être un membre actif d'une chorale. Et bon, voilà, si on ne fait pas de grosses erreurs, on peut vraiment faire partie d'une chorale et puis avoir un bon rendu. Tu parlais des chants à plusieurs voix. Je me tourne de nouveau donc vers Thierry. Comment, de quoi est constitué le répertoire de la chorale du jeudi ? Alors, le répertoire de la chorale du jeudi est essentiellement constitué de chansons françaises contemporaines qui sont harmonisées en polyphonie. Donc il y a ce qu'on appelle quatre voix, quatre pupitres différents dans la chorale. Les femmes sont divisées en deux pupitres. Les femmes qui chantent aiguës constituent le pupitre soprano. Les femmes qui chantent un peu plus grave chantent en alto. On a deux pupitres d'hommes aussi, des hommes qui ont des voix basses, les voix les plus graves, et puis des hommes qui ont les voix un petit peu plus aiguës, les voix ténors. Et qui choisit les chansons ? Comment se passe la sélection ? Est-ce que ça se fait en plusieurs temps ? Est-ce que c'est le chef qui impose ? Je ne crois pas qu'on soit en dictature à la chorale du jeudi, mais dis-nous en plus. Non, tout à fait. Donc on travaille à partir d'harmonisations qui sont éditées par une association nationale qui s'appelle Chansons Contemporaines, qui a un catalogue de centaines de titres. Donc moi je fais une présélection parmi ces titres-là, c'est une présélection qui est assez large. Et puis je demande aux choristes après de voter un petit peu, de choisir les titres qu'ils ont envie de chanter parmi cette présélection. Voilà, ce qui donne à chacun donne son avis sur les titres qu'on peut travailler pour la suite. Donc voilà, c'est plutôt démocratique en effet. Mais la décision finale te revient. Oui, quand même, je tiens à avoir quand même un œil sur ce que la chorale va chanter, va produire. Il faut que ce soit des chants que moi j'ai envie de monter aussi parce que ça me demande beaucoup. Peut-être d'un point de vue technique aussi. Bon, plus forcément, au début peut-être, oui, je regardais un petit peu avant les chants vraiment un petit peu plus compliqués qui me faisaient un petit peu peur. Maintenant ça va, maintenant je crois que les grosses difficultés, j'arrive à les surmonter maintenant et je peux monter tous les chants du catalogue maintenant. Et puis on a la chance d'avoir un pianiste. Oui, et toutes nos répétitions, oui, sont faites avec Sylvain, notre pianiste, qui nous accompagne à chaque répétition, qui nous accompagne au concert aussi naturellement, mais qui est là pour toutes les répétitions et qui est d'une grande aide naturellement. Ça nous fait travailler dans un cadre beaucoup plus sympathique, beaucoup plus dynamique, et c'est beaucoup plus efficace avec un pianiste accompagnateur en effet. Oui. D'ailleurs, peux-tu nous dire comment se déroule une répétition, comment on commence, quel est le but, la manière de travailler ? Bon, en gros, une répétition commence par un échauffement physique et vocal. C'est-à-dire qu'on vient à la chorale aussi pour faire du sport. C'est-à-dire que le corps travaille beaucoup. On ne travaille pas que le vocal. Je peux intervenir. Je dirais qu'on essaie de commencer à l'heure aussi parfois. Et comme on a un petit peu de mal, parce que c'est quand même un centre de convivialité assez développé. Bon, il faut qu'on essaie de tenir les horaires. Et... Voilà, donc une demi-heure après le début officiel de la répétition, on a une petite mise en route corporelle. Et puis, donc on travaille beaucoup sur les déplacements dans l'espace, dans la salle de répétition. On se déplace beaucoup et on travaille la voix, on fait un échauffement vocal. Et puis, on vient très rapidement dans le vif du sujet et on travaille l'apprentissage des chants. Et donc pour un apprentissage, le chant est plus ou moins décortiqué, ça s'apprend en une fois. Explique-nous tout ça. Non, c'est assez long de travailler un chant. On ne finalise jamais un titre en une répétition. Il nous faut un cycle de 3, 4, 5 répétitions parfois pour vraiment mettre un chant, venir à bout de l'apprentissage d'un chant. Moi j'essaye de repérer vraiment les parties qui sont un petit peu identiques, hein, les refrains ou les couplets qui ont des mélodies un peu près similaires. Et puis après, on travaille les petites difficultés supplémentaires, parce que chaque harmonisateur, naturellement, nous met des petits pièges dans les harmonisations. Donc c'est un petit peu, il y a des passages un peu plus compliqués parfois, ou parfois des pupitres ont plus de difficultés à travailler un passage. Il y a des passages parfois qui sont compliqués pour certains pupitres. Mais bon, globalement, on fait du bon travail. Oui. Et pour gagner du temps, on travaille aussi par pupitre. Donc ça permet
de peaufiner notre partie propre aux quatre pupitres. Oui, pour certaines chansons, il y a des pré-apprentissages. Peut-être. Oui, on peut avoir des pistes audio qui nous permettent donc de gagner un temps précieux. Ce qui demande, Thierry, j'imagine, beaucoup de travail en amont, puisque tu dois connaître les quatre voix. Voilà, tout à fait. Oui, un chant pour moi, voilà, un chant, une répétition d'une heure sur un titre, moi, me demande en amont à peu près, je sais pas, une dizaine d'heures de travail à peu près. Et qu'apporte le fait d'avoir un pianiste à tes côtés? Le pianiste a, bon, déjà il a une oreille fantastique, c'est-à-dire qu'il va déceler une petite erreur très très rapidement, et puis ça nous permet de répéter, voilà, quand un pupitre n'est pas sûr de sa voix, ça nous permet tout de suite de retravailler le passage qui pose problème, et puis ça nous remet sur les rails très très rapidement. C'est un appui précieux. Oui, c'est fondamental. Oui. On a eu une pianiste qui s'appelait Caroline Sens, qui nous a accompagnés pendant une dizaine d'années. Et puis, elle a été obligée d'arrêter parce qu'elle avait un emploi du temps surchargé. Donc, elle est obligée d'arrêter le travail avec nous. Et donc, j'ai eu une petite quinzaine de jours où j'étais un petit peu en panique parce qu'il fallait absolument, je ne me voyais pas continuer sans pianiste accompagnateur. C'était vraiment compliqué pour nous. On avait pris cette habitude, c'était vraiment compliqué de faire sans. Eh bien, avant d'aller plus loin dans cette interview, je vous propose d'écouter un premier extrait de la chorale du jeudi. C'est une captation qui a été faite lors d'un concert et nous allons écouter « Le vent l'emportera », donc chanté à quatre voix par la chorale du jeudi. Thank you.
Eh bien, voilà, vous avez eu le privilège d'entendre un extrait du dernier concert qui avait été proposé par la chorale du jeudi. Mais pour arriver à un tel résultat, on se doute que le chef y est pour beaucoup, mais pour arriver à ça, as-tu déjà fait des formations spécifiques, Thierry ? Eh bien oui, j'ai donc la première année de ma prise de fonction de chef de chœur de la chorale du jeudi, je suis allé en formation à Troyes, oui. Donc bon, faut savoir que le réseau chanson contemporaine est basé à Troyes, et donc on organise tous les ans là-bas au mois d'août une formation pour les chefs de chœur de la France entière et pour les pianistes accompagnateurs aussi des chorales. Et donc je suis allé me former une première fois en 2012, l'été 2012, à Troyes. Je suis retourné l'été 2016 pour une deuxième semaine de formation. Et donc là-bas, on est vraiment décortiqué par des chefs de chœur professionnels, chevronnés d'un très 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 haut niveau, et qui nous aident à progresser dans la direction de chœur, dans le chant aussi. On a aussi des cours de chant. Et puis en formation musicale, on travaille sur le solfège, la construction des partitions, des harmonisations. Donc on a tout un panel de formations comme ça. Et ce sont des formations qui sont ouvertes à tous. Oui, oui, ce sont tout à fait des formations qui sont ouvertes vraiment à tous les gens, qu'on soit chef de chœur ou musicien dans un groupe ou animateur dans une association, on peut bénéficier de ces formations. Tout donc à fait. Nos chers auditeurs, s'ils le souhaitent et ont des envies de direction, pourraient aller se former sans tout aucun à fait. Problème. Ils peuvent contacter l'association Chanson Contemporaine, oui, à Troyes. Oui. Ils peuvent même se former en pianiste accompagnateur et en harmonisateur. Il y a aussi un module d'harmonisation qui se fait en même temps. En général, c'est autour de la fin août, donc également à Troyes. Ouais, et je crois aussi qu'il y a maintenant, il y a même direction de chœur d'enfant. Tout à fait. À propos de chœur d'enfant, je crois savoir, Thierry, que tu diriges aussi une chorale d'enfants dans le cadre de ton métier. Oui, tout à fait. Moi, je suis professeur des écoles, oui, dans une commune de l'arrondissement du Havre. Et puis, tout à fait, ça fait des années aussi que je dirige la chorale ou les chorales de l'école, parce qu'il y a plusieurs chorales dans l'école. Et c'est avec un grand plaisir aussi que je transmets cette envie de chanter aux enfants, qui me le rendent bien aussi. Et ils sont nombreux, ces petites têtes. Cette année, oui, j'ai un groupe de 130 enfants. Oui. Ah oui, donc encore plus gros que la chorale du jeudi. Tout à fait, ils sont bien plus sages. C'est la question que j'allais te poser, lesquels sont les plus faciles à gérer? Écoute, les enfants sont vraiment, ils adorent chanter, ils adorent vraiment chanter, et à partir du moment où les chants sont entraînants, ça leur parle et ils ont envie de les porter, vraiment ils se donnent vraiment à fond, et c'est vraiment très agréable de diriger. Mais bon, avec la chorale du jeudi, on va beaucoup plus loin, parce que je travaille sur des chants à quatre voix, les enfants au maximum on travaille sur deux voix différentes, mais bon, voilà, c'est... Même plus loin si, avec les adultes, même si la discipline est un petit peu moindre chez les adultes, puisque normalement les adultes sont capables de se raisonner tout seuls. Parfois, c'est difficile. Mais il y a aussi le plaisir de se retrouver entre amis, ouais. Comme le disait Gaël tout à l'heure, c'est à la fois très agréable, mais quelquefois c'est là que ça pêche, puisque ouais, les répétitions de rentrée, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais c'est plutôt de bon augure pour l'ambiance en général. Je dirais que chez nous aussi, on a cette double difficulté du chant et des déplacements, puisqu'on se déplace sur scène, il y a quand même quelques chorégraphies, et donc ça nécessite de bien maîtriser son texte, sa chanson, mais aussi donc le rapport avec les autres. Et donc je crois que c'est aussi une difficulté supplémentaire par rapport aux chorales d'enfants, où il est difficile de leur demander plus de deux ou trois voix, je crois, Thierry, deux voix. Donc nous, effectivement, on est à quatre voix, plus les déplacements, donc ça nécessite une concentration importante pour nous, et surtout pour le chef de chœur qui doit tenir ses 80 énergumènes, parfois un peu dissipés. Alors les répétitions, c'est très bien. Et d'ailleurs, à qui est ouverte cette chorale? Est-ce que n'importe qui peut postuler? Quelles sont les exigences? Est-ce qu'il y en a? Qui va répondre à ça, Madame la Présidente ou... Bah, a priori, la chorale est ouverte à qui veut bien rentrer. Comme disait Christophe,
à partir du moment où on chante à peu près juste, voilà, on doit pouvoir rentrer. Il y a quand même une audition, hein, parce qu'on, voilà, faut savoir aussi où placer les choristes qui postuleraient. Sauf que bah, maintenant, on est 80 et que c'est déjà un grand, grand groupe. Donc les pupitres sont à peu près équilibrées. Il nous manque encore quelques hommes en ténor. Mais sinon, le moment, on n'accueille plus personne. Donc, sauf éventuellement quelques ténors qui auraient. Voilà. Voilà. Mais avec une audition pour être sûr. Puisque, comme il y a déjà eu beaucoup de travail, il faut arriver à prendre le train en marche très rapidement. Quelqu'un qui rentrera à la chorale maintenant, il y a déjà des chants. Enfin, faut rattraper tous les chants qui sont au répertoire, en fait. Surtout quand. Comme c'est le cas bientôt, il y a un concert à venir, n'est-ce pas Christophe ? Puisque bientôt la chorale du jeudi va se produire au théâtre de l'Hôtel de Ville, n'est-ce pas ? Vendredi soir à 20h30, 24 novembre, au théâtre de l'Hôtel de Ville, un lieu que nous connaissons déjà puisque nous y avons déjà organisé un concert. Et oui, nous attendons avec impatience cette date-là, puisque ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas produit. Et bon, notre public nous attend. Et d'un point de vue de l'organisation pratique, comment se déroule justement la préparation d'un tel événement ? Ah, il faut s'y prendre un petit peu d'avance quand même. Hein. On ne peut pas faire ça dans le mois qui précède. Et il faut bien compter entre 6 et 9 mois le temps de rencontrer les différents intervenants. Et puis, tout dépend si on fait appel à un partenaire ou non. Il nous est arrivé de monter des concerts seuls. Et là, pour l'occasion, nous allons être associés au Lions Club, avec le club service Le Grand Large, qui est un club exclusivement de femmes. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais elles sont toutes charmantes. Et ce club est dirigé par Catherine Nostanlen. Je vous rappelle les objectifs du Lions Club, qui sont d'aider dans certains domaines, que sont la vue, la santé, le soutien aux personnes âgées, et l'environnement. Et c'est sur ce thème de l'environnement que nous avons trouvé une convergence pour monter ce concert. Donc ce concert sera au profit du Lions Club ? Alors non, c'est un partenaire, en fait, et je vous remercie de m'avoir posé cette question, mais c'est un partenaire. En fait, le concert va être donné au profit d'une association qui s'appelle Terre de Liens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette dans les grandes lignes ? Oui, dans les grandes lignes. Alors, Terre de Liens, c'est une association qui existe depuis 2003 et qui a pour objectif de favoriser l'agriculture biologique, mais à taille humaine. Donc, il propose à tout un chacun de participer à l'achat de parts pour acheter des terrains afin d'y implanter des jeunes agriculteurs bio. On leur demande effectivement aussi de respecter nos chartes, et c'est de travailler en circuit court et puis de respecter l'environnement, bien entendu. Donc le prochain concert, les bénéfices seront reversés pour Terre de Liens, si j'ai bien compris. Entièrement pour Terre de Liens. Il y a un exemple de ferme biologique près de chez nous, à Gonneville-la-Mallet, qui s'appelle la ferme du Thau. Et ainsi, depuis 2005, il y a eu 18 fermes qui ont été montées en Normandie. Donc, grâce à Terre de Liens. Une association qui est très dynamique sur le territoire. Donc là, c'est le partenariat, mais il y a un côté technique aussi dans l'organisation d'un tel concert, j'imagine, puisque s'il y a des musiciens, ça demande... Oui, c'est un autre pôle. Il faut rencontrer, quand on monte un spectacle comme ça, il faut aller rencontrer le régisseur, donc d'abord choisir la salle, voir si elle va nous convenir. Effectivement, maintenant qu'on est 80, toutes les salles ne conviennent plus. Donc le THV, c'est vraiment une salle qui nous convient bien. Et donc là, il faut aller rencontrer le régisseur, son chef de plateau, le responsable sono, le responsable lumière, et leur expliquer ce qu'on va faire comme type de concert. Eh bien, justement, on va écouter un nouvel extrait pour voir à quoi on peut aboutir après tout ce travail, et tu nous en diras un petit peu plus juste derrière. C'est Temps à nouveau que je vous propose maintenant. Et donc, c'est bien sûr une reprise de Jean-Louis Aubert, mais par la chorale du jeudi. Mmh.
voyez, le public a l'air quand même content d'entendre cette chorale du jeudi. Nous évoquions donc les soucis, bien quelquefois, il y en a peut-être quand même du côté technique, Christophe. Non, c'est pas des soucis, ce sont des contraintes dont il faut informer le régisseur. Donc c'est le régisseur la personne la plus importante à rencontrer dans une salle de concert. Et on va lui dire d'abord combien on est, est-ce qu'on va avoir des déplacements, des entrées, des sorties, est-ce qu'il va y avoir une partie, deux parties, est-ce qu'on ferme le rideau, est-ce qu'on ouvre le rideau, à quel moment. Et donc par exemple, on va lui indiquer le nombre de micros nécessaires, des micros qui vont être placés devant le chœur, des micros qui vont être placés aussi au-dessus de nous, à environ 3,50 m pour recueillir toutes les voix. Il y a 80 des micros pendulaires, il en faut bien entre 8 et 10, donc les répartir bien comme il faut au-dessus du chœur. Déterminer avec lui également la surface de scène disponible pour nous. Également, on va aller rencontrer la personne qui fait la mise en lumière, qui est très très importante au niveau de la scène. Et évidemment, il va falloir que cette personne-là joue sur les couleurs, sur les intensités, sur les directions d'où vient la lumière. Est-ce que ça va venir de devant? Est-ce que ça va venir du côté? Est-ce que ça va venir de derrière? Est-ce que ça va venir du grill, qui est une espèce de système qui est au plafond et qui vous permet d'avoir donc des lumières différentes intensités, différentes tonalités? Les exigences sont donc des mêmes que pour des professionnels? Ah oui, quasiment, oui, je pense que bon, on n'est pas des professionnels, mais on n'aurait pas cette prétention-là, mais bon, on essaie de faire un produit qui soit à peu près fini, et donc pour qu'il soit fini, il faut la qualité vocale, la qualité scénique, et puis évidemment derrière la lumière, puis évidemment un bon public, bien sûr, qu'on attend de pied ferme, donc le 24 novembre. Et pour arriver à ce résultat, quelles sont les exigences que tu demandes au choriste Thierry? Comment se prépare une répétition de concert par rapport aux répétitions ordinaires? Quand arrive le moment de concert, je pense qu'on met les bouchées doubles. Oui, en ce moment, on est dans une phase de travail intensif, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois le chant, le vocal, enfin... plus tellement maintenant, parce que ça doit être au point. On travaille beaucoup sur les placements, les déplacements des choristes. On a depuis quelques années maintenant, on essaye de faire oublier la vision chorale un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que on interprète de la chanson polyphonique et le groupe est constamment en mouvement, c'est-à-dire qu'on est jamais statique. Il y a des mouvements dans le chœur et donc chacun doit apprendre à maîtriser l'espace, maîtriser ses placements, ses déplacements. On a tout ce travail-là en ce moment. Et il y a des moments spécifiques pour ces préparations de mouvements. Oui, tout à fait. On a bloqué deux week-ends avec les choristes. Là, on a travaillé un premier week-end fin septembre avec. On fait venir un metteur en scène parisien qui s'appelle Alain Moxy. Et qui nous fait travailler sur l'interprétation, sur le placement de la voix, le travail avec le corps. On interprète vraiment les chansons avec notre corps. Il nous apprend vraiment à travailler ensemble dans cette direction-là. Et donc, on fait des choses bizarres avec lui pendant un week-end entier. Mais à chaque fois avec lui, on effectue des pas de géant. On progresse énormément grâce à lui. Donc, on a un deuxième week-end qui va arriver les 11 et 12 novembre, on va à nouveau travailler tous ensemble pour préparer ce concert du 24 novembre, qui est un concert important, qui nous tient à cœur et pour lequel on a envie de présenter le meilleur de nous-mêmes, ce qui va être le cas. Mais ce travail, il ne s'agit absolument pas de cours de chant, il n'est jamais question de ça dans la chorale. Non, pas du tout, c'est un travail. De l'interprétation, de la cohésion de groupe. Oui, voilà, on travaille tous ensemble, c'est vraiment un travail collectif, on présente un travail collectif et ce ne sont pas des cours de chant. Et est-ce que toi, ça ne te manque pas de chanter ? Ça me manque de chanter. Alors moi, je me venge parce que tous les ans, je participe à trois au grand choral. Il y a 900 choristes qui viennent de la France entière qui sont rassemblés là-bas. Donc pendant une semaine, je suis choriste et je chante. Et puis j'essaye d'adapter aussi des petits moments dans le spectacle où je m'immisce dans les groupes et je vais chanter avec mes copains choristes. Oui, puisque sur quelques chansons, le chœur ne chante pas à 80. Il y a
à peu près 4 chansons oui. où on extrait... Donc, des petits groupes de choristes qui, à tour de rôle, interprètent quelques titres. Voilà. Ça me permet, moi, d'aller chanter avec eux. Puisque ces titres ne sont pas dirigés, c'est en autonomie totale, complète. Voilà. Il n'y a pas de direction de chœur à ce moment-là. Oui. Tu parlais des nuits de champagne donc, qui se déroulent à Troyes. Vous avez tous participé à ce festival puisque c'est un, oui. en même temps un festival et une semaine de chant. Qui a envie de faire partager à nos auditeurs le ressenti de cette semaine, Gaëlle par exemple? Oui. C'était une super semaine. Donc Thierry a dit, on s'est retrouvé à presque 900 pour répéter pendant toute une semaine un répertoire français donc de 4 artistes. Barbara, William Scheller, Juliette Armanet, Émilie Loiseau, et ces deux dernières étaient avec nous pour interpréter des titres lors des concerts de fin de semaine. On a fait 3 concerts devant des salles combles et c'était vraiment chouette. Et tous les ans, il y a des artistes différents. Christophe, tu as déjà participé aussi à cette semaine chantante. Oui, et puis donc, jusqu'à présent, il y avait un artiste qui était invité. Les derniers étaient Pascal Obispo. Auparavant, nous avions eu Souchon et Voulzy, mais aussi... Trio, oui, bien sûr. Brel, enfin, qui n'est pas venu, mais c'était son répertoire. Jean-Louis Aubert. Eddie Mitchell. Véronique Sanson. Pour ne citer que. Cette année, je crois que c'était la 30e édition. Donc beaucoup d'artistes sont passés et c'est vrai que pour les choristes, c'est un grand moment de rassemblement. Pour revenir donc à la chorale du jeudi qui est quand même le sujet du jour, si vous avez envie d'en savoir plus, il y a aussi des coordonnées qu'on peut vous donner tout de suite, puisque en fait, il y a moyen de suivre la chorale, n'est-ce pas Christophe? On peut suivre la chorale sur le site de la chorale du jeudi, donc c'est tout simple, lachoraledujeudi.fr, en tout attaché, lachoraledujeudi.fr, et puis sur Facebook, bien sûr, la chorale du jeudi. Oui, je voulais préciser que pour notre concert, c'est un concert grand format qu'on va faire au THV, c'est-à-dire qu'il va y avoir 4 musiciens. On va avoir notre pianiste attitré, Sylvain Charpentier, mais également à la basse, Lucas Ravé, aux percussions, Benoît Delaunay, et puis aux guitares, David Anctil. Les musiciens ne sont là que lors des concerts. De certains grands concerts, oui. Donc c'est pour ça, là, c'est une occasion unique, il ne faut pas rater. Venez vraiment nombreuses ce vendredi 24 novembre à 20h30 au THV. On va vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Ce sont des musiciens professionnels. Ils sont professionnels, exact. Donc, avec un niveau haut de gamme, un niveau haut de gamme, reconnu. Donc, ça nous donne un petit peu de travail supplémentaire dans l'organisation, puisqu'il faut aussi donc déclarer ces musiciens, les déclarer au GUSO, déclarer leur salaire. Mais voilà, ça fait partie de la préparation d'un concert. Mais la chorale du jeudi n'en est pas à son coup d'essai en matière de concert. Il y a déjà eu beaucoup de manifestations, Gaëlle. Oui, depuis 2013, bon, avant on s'était déjà, je pense, produit dans certaines salles, mais depuis 2013, on fait à peu près une fois par an un plus grand concert. Donc en 2013, on était au Magic Mirror. 2014, on était au Tetris. Cette année-là, on a aussi participé au Festival des Mosaïques au mois de juillet. On a fait déjà un THV, donc Théâtre de l'Hôtel de Ville, en 2015. On ne se produit pas seulement au Havre, on va aussi un petit peu plus loin. Donc on est allé à Ifto, dans la salle qui s'appelle Les Vikings, en 2016. Et on s'est produit aussi en début d'année là, au Sirocco à Saint-Romain. Et donc déjà plusieurs fois pour des actions caritatives. Oui, la plupart du temps, on est en partenariat avec une association et tous les bénéfices sont reversés à cette association. Par exemple, au Sirocco, c'était pour l'association Pian Pian, qui est une association qui... rappelle-moi, Christophe... Qui est basée autour de l'âne, c'est-à-dire c'est les rapports entre l'âne et l'enfant, l'âne et l'adolescent, l'âne et l'adulte, donc les gens qui sont... En difficulté et qui peuvent se réinsérer grâce au contact de l'âne.
C'est une association qui est formidable, qui est menée par Baya Amani et qui mène ça de main de maître avec Sylvie, son associé. Donc la chorale a le plaisir de chanter, mais aussi de partager et d'aider les autres. Partager, donner un sens à ce qu'elle fait, tout à fait, oui. Nous allons écouter un nouvel extrait et c'est la balade de Jim que nous vous proposons tout de suite. C'était donc la balade de Jim, mais interprétée à quatre voix par la chorale du jeudi. Nous étions sur les concerts, et ces concerts, de les organiser, non seulement c'est lourd, mais ça a un coût. Et l'idée, c'est de pouvoir donner
le plus d'argent possible aux associations pour lesquelles nous chantons. En effet, il y a des prix, il y a des coûts de base qui apparaissent, comme donc bon, le coût des musiciens, mais aussi le coût de la location de la salle, et puis des intermittents, donc qu'ils soient lumière ou son. Et donc on arrive assez rapidement sur un budget de plusieurs milliers d'euros. Donc pour retomber sur vos pieds et à dégager des bénéfices pour les associations, il faut un public nombreux. Nous avons des fidèles auditeurs et spectateurs, et nous souhaitons en toucher davantage. Oui, il faut élargir au maximum le champ des spectateurs. Pour l'association, et puis même aussi pour les gens, pour leur faire découvrir ce que c'est que le nouveau chant choral, c'est-à-dire c'est vraiment du chant polyphonique sur scène, avec une mobilité sans partition, de la bienveillance, des chants qui sont entraînants. Oui, on a un répertoire assez moderne pour part, oui, même si on chante un peu tout. Il faut oublier la chorale statique en noir et blanc, avec les feuilles dans les mains. Ça a été complètement dépoussiéré, ça, oui. D'ailleurs, à ce propos, il y a des tenues de scène spécifiques? Oui, bah, tout ça fait partie du spectacle. Le spectacle, il est sonore, il est musical, mais il est visuel aussi. C'est-à-dire que non seulement on se déplace, on a des déplacements, mais on a des tenues un petit peu particulières. Mais il faut venir au spectacle pour le voir. Oui, il ne faut rien dévoiler tout de suite. Et la chorale du jeudi, c'est aussi un gros projet à venir. Il y a toujours plein de projets, mais je crois savoir qu'il y a un gros morceau à venir pour le printemps prochain. Alors, il y a un week-end chantant que nous organisons donc tous les deux ans. Qu'est-ce qu'un week-end chantant ? Alors, un week-end chantant, c'est un week-end pendant lequel on va apprendre trois nouveaux chants. Dirigés par des chefs de chœur professionnels, des chefs de chœur qui viennent du réseau Chansons Contemporaines dont on a déjà parlé. Et ce week-end chantant est ouvert à tous. Il permet aussi de faire découvrir le chant choral à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de chanter en chorale. Ça permet de découvrir ce que ça fait de chanter à quatre voix, à quatre pupitres, voilà. Et donc cette année, donc ce sera le 31 mars et le 1er avril 2018. Et ça se passera au Palais des Régates à Sainte-Adresse. Et cette année, ce sera une année un petit peu particulière car on fait ça autour d'un artiste qui sera présent, un artiste belge qui s'appelle Vincent Delbuzet. Qui n'est pas très connu du grand public, mais qui gagne à être découvert. Voilà, exactement. Et donc, trois titres de son répertoire vont être harmonisés et on les apprendra pendant ce week-end. Et ça dure toute la journée. Il y a le déroulement d'un week-end, ça se présente comment ? Donc, on chantera à partir du début de l'après-midi jusqu'à fin d'après-midi. Le soir, il y aura un concert de Vincent Delbuzet. Et on recommence à chanter le lendemain, le dimanche matin, et jusqu'à midi, et ensuite l'après-midi jusqu'à 16h. Et après, en fait, on propose une obade, c'est-à-dire une restitution des trois titres. Ça, pas vraiment un concert, parce que les titres sont pas forcément complètement aboutis, mais pour montrer quand même ce qu'on a appris pendant tout le week-end, on propose à la famille, aux amis, de venir nous voir pour ces trois titres. Et pour les gens qui seraient intéressés, il y a aussi les repas qui sont prévus. Oui, les repas sont prévus pour le samedi soir et le dimanche midi, oui. Oui, donc c'est un pack. C'est complet dans le prix du week-end. Voilà. Donc, si les gens sont intéressés, il suffit de se connecter ou sur le Facebook de la chorale, sur le site, il y a des liens pour pouvoir participer. Oui. Alors, le lien va apparaître dès demain, normalement. Les inscriptions ouvrent demain. Donc, pareil, plus il y a de monde, plus c'est agréable et pour les choristes et pour les organisateurs. Absolument, oui, puis c'est l'occasion unique de pouvoir venir chanter à plusieurs sans s'engager sur une année, de découvrir l'univers d'un artiste, de découvrir le côté professionnel des chefs de chœur qui vont nous diriger. Un week-end chantant, on passe vraiment un bon moment. Très très bon moment. Et vous avez les uns et les autres déjà participé à des week-ends chantants. D'ailleurs, ce n'est pas le premier de la chorale du jeudi. Non, c'est le cinquième.
Déjà avec des artistes invités? Non, c'est le premier avec un artiste invité, mais c'est le cinquième week-end chantant que la chorale organise. Et vous avez déjà les uns ou les autres participé à d'autres week-ends chantants que ceux de la chorale du jeudi? Oui, 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 bien sûr. Cette année, on a été plusieurs choristes de la chorale à partir à Lannion. Participer à un week-end chantant qui était organisé par la chorale Salle de Bain, et c'était autour de l'univers d'Émilie Loiseau. À propos chorale Salle de Bain, c'est étrange comme nom. Et la chorale du jeudi, pourquoi la chorale du jeudi? C'est votre jour de répétition, j'imagine? Non, pas du tout. Non, on répète le lundi, et la chorale du jeudi, bah, je sais pas, peut-être au départ, au tout départ, ils ont répété le jeudi, j'imagine. Mais la chorale a répété à peu près tous les jours de la semaine, oui. En fait. Moi, je n'ai jamais répété le jeudi. Non, moi non plus. Moi, oui. Mais c'était il y a longtemps. Que dire d'autre? Je pense qu'on a déjà bien présenté cette chorale. J'espère que ça va vous donner envie, chers auditeurs, de venir écouter ce concert ou un autre, et même pourquoi pas venir participer au week-end chantant. Personnellement, je me ferai un plaisir de vous y retrouver, puisque bien sûr je fais partie de la bande. Je vous propose d'écouter un dernier extrait avec, que je ne sais plus ce qu'on a décidé, le Plat Pays, une superbe reprise du Plat Pays de Jacques Brel, et vous allez voir que ça n'a quasiment plus rien à voir avec l'original. Je vous laisse en profiter tout de suite. Thank you.
Eh bien, chers auditeurs, si cela vous a donné envie d'en entendre un peu plus, il vous suffit de venir écouter la chorale du jeudi le 27 novembre. 24 novembre, c'est un vendredi 24 novembre au THV. Pour se procurer des places, comment peut-on faire ? Très facile, auprès des choristes de la chorale du jeudi, également auprès des membres du Lions Club, et puis auprès de ticketmaster.fr. Et quand on ne connaît ni membre de la chorale, ni personne, on peut, via le site, trouver des contacts sur le Facebook, aller demander. Voilà, ne pas hésiter à se rendre sur le site Facebook et vous aurez là toutes les indications nécessaires pour trouver les billets. Je rappelle aux spectateurs qu'il n'y aura pas de vente de tickets à l'hôtel de ville. Donc c'est pas la peine de se déplacer là-bas pour retirer des billets. Il en restera peut-être le soir du concert. Ah, là, si, il y aura des si tout n'est pas vendu, ouais. Il peut, mais pas à l'avance. Mais on peut pas le, voilà, on peut pas l'assurer. Eh bien, écoutez, il me reste qu'à vous remercier tous les trois, que ce soit Christophe, Gaël et Thierry, pour cette présentation que vous venez de nous faire. Quant à moi, chers auditeurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi matin dès 7h pour le réveil. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse, je vous dis à lundi et on se quitte en musique.